dialogue.com. Infidélité, surtout des bons macapos, et au mal à l'aise, vie normaux, biba, pas au moins être au cocaté. Aux au moins être au cocaté, pas au tal à tout qui est pas aux on n'est pas et bas des cobas, peut-être au monio, maïk à bander, qu'au trompeur, non, bambo, peignel, en tout cas, le coutam à béto, le bambo, bon, pousse à l'interpénel, elle est très jolie, mais au limite, signor, soit là, eh, aux a joli, ma cassi, eh, aux oies, zayon, voilà. Si quoi, et l'okoni ne kimi si yo, et l'okoni ne sali ki okima, po okima ya okima penye, okima nda kounwa li bala, piu, tout mon akara, tout mon akara la Instagram, eh penye le akimi, eh, tout mon akara okimi, si bit marabo okimi, nini? Deux choses, ok? Deux choses, et toutes ces deux choses concernent les enfants. Fallait que tu restes pour tes enfants. Je suis partie à cause de mes enfants. Les enfants, ils sont libres à papa, pembeni à maman. Mais moi, je suis partie. J'ai claqué la porte à cause de mes enfants. Explique-nous, s'il vous plaît. Deux choses. À cause de l'irresponsabilité au niveau des enfants et la violence conjugale. La violence conjugale, non seulement la violence conjugale vis-à-vis à ma personne, parce que la violence conjugale a commencé en 2013. Je me rappelle la toute première fois que Mike m'a giflé, c'était en octobre 2013. Et ça, quelques jours. Ça arrive, Peignel. Oui. On peut te gifler, ça arrive. Ma beauté. Oui. Je sais que mon oncle n'est pas violent. Non, mais moi, Mbata, ça arrive, ça passe dans la chambre. Et le comment, boy. Et donc, il y a des entre biso à peine. Mbata, et ça façon. Mais la vie pétée que n'a l'ombre qu'à faire du couloir à Mbata. Donne-moi le temps de m'expliquer. Ok, vas-y. La violence conjugale peut être comme un niveau, parce que je sais qu'avant de commencer ces lives, j'ai publié quelques photos pour quand même un peu introduire ces sujets, parce que c'est la chose la plus difficile pour moi, Yako Lobela. C'est la chose la plus difficile pour moi. La TV, vous voyez, il y a photo pour nous, Lobela, la violence conjugale dans mon mariage. Pendant comme un niveau Oyo. Oh, Zobeta, moi c'est Azim, s'il vous plaît, j'étais enceinte 5 mois de Zion pour arriver jusqu'à ce point de lever non seulement la main, de donner non seulement de coups de main, de coups de pied, mais de prendre, d'aller plus loin, de prendre même toute une ceinture pour tabasser ta femme en pleine grossesse. Bah, oh, bah, tu étais enceinte? Enceinte 5 mois de Zion. Jesus. Peut-être épreuve ou yo, bah, et puis que c'est pas quelque... tu peux pas arriver dans un niveau ou yo, dans un stage ou yo, carabouille. Il va pas se réveiller un matin et te tabassé comme ça, non. C'était régulier. Depuis qu'on s'est marié au début, quand moi gifle, moi et tout, mais nous sommes des bantous et tout, on s'est dit que ce sont des choses qu'on supporte. Patati patata. Le photo que vous voyez là-bas, c'est Peignel, voilà, nous autres on a 5 mois, grossesse des AM. Mais c'est quand la personne devient confortable d'un lever la main, et surtout quand tu es une étape très vulnérable na vie na yo aux hommes, même à moi non, oui le moindre choc na zemi et qui peut faire perdre le moine, alors c'est quand ça et comment ça bouillé, et comme j'ai dit tout à l'heure, l'irresponsabilité. Deux raisons, oui, ça l'a dit qu'il y a là. L'irresponsabilité, je touche sur l'irresponsabilité. En 2017, je disais que moi et Mike, on n'avait pas divorcé ou quoi que ce soit, mais il y avait de la tension. Pour la façon dont on a loin, en début 2017, on a loin, en 2016. Alors, en 2017, quand il était venu, on n'avait pas aussi eu le temps vraiment d'en parler comme tel. Alors, tant à Bandoya, au début, tant à Kitaki pour la première fois aux États-Unis, c'était en mai, oui, c'était après son anniversaire.
au mois de mai pour mon abisso, il m'avait laissé avec quelque chose pour moi et pour Shaddai, mais aussi pour l'anniversaire de Shaddai, il avait envoyé une enveloppe pour l'anniversaire de l'enfant. Donc ça va en rater. Non, après ça va dans le bac à PC. Voilà. Mais ceux qui peuvent appeler, dans le côté l'été, dans le côté ça peut être que non, appeler ça qui pour les apparences et tout. Alors, après l'anniversaire de Shaddai, après départ Naël à mois de mai, je commençais un peu à appeler Mike et tout. Hey, Mike, qu'est-ce qui se passe? Tu vois, tu as laissé un enfant ici aux États-Unis, Shaddai ici. Tu dois envoyer quelque chose pour ton fils et tout. Parce que je ne savais pas. Parce qu'en 2017, Nazara n'a jamais été. Shaddai avait 2 ans. Shaddai avait 2 ans. Shaddai avait 2 ans. Shaddai avait 2 ans en 2017. Alors, malgré le fait que je travaillais, malgré le fait que j'étudiais, je bossais aussi. Je travaillais. J'avais mon argent. On avait un mec qui s'occupait de Shaddai. Et bien sûr que ça me faisait mal, ça m'énervait. Que Mike a retenu le moment pour Shaddai, ni pour ma personne. Non, tiens, tout. Ma personne des côtés. Ma personne des côtés. Parce qu'en fait, il s'agit de moi. À 100 dollars. Je pense que la dernière fois que j'ai mangé l'argent de Mike, tout le bâté, la bilo kandak. Je ne parle pas des mbongo, la bilo kakolia, yandak. Et je dis même, ah, chérie, prends, va t'acheter une robe. Chérie, simba, pour les somba ta bijou. La sombe, le bijou, je ne sais même pas. La dernière fois, ça c'était même bien avant 2017. Mais alors, quand même, bijou pour la bijou, qui kaka bijou, yon bon, on s'offre un kaoti conserve. Et ça, quand on s'en baba bijou, yoton disaka bijou na make-up. Bon, on est yon 60 ans, on est l'eau. T'es bon, et puis qu'on investit, t'es pour nanda kouana, bilo qu'on yon soyo kouta nanda kouza, oyo, et ni solanga somba. Et puis nanda kwa frema TV ya kunki jusque là nandenge za vedette bongo o mela mai na kopo ya plastique ba rideau ezaka o yeni satika yombo ezaka ka bijou na bijou. Je vais, bon, il y a beaucoup de points o bien on a touché na ngo parce que je me suis dit que après cette vidéo l'obela likambo du zouté. Mais toutes ces choses-là, et puis même à mon encore, il y a une personne, Yvette Kalongo, que je ne salue pas, que ce qui n'est pas. Vous avez vu les caméras, s'il vous plaît, vous quittez la biso, batoubayo, kabiso. Ok, vous quittez la biso, s'il vous plaît, batoubalini, balanda, bas à la concentration. Yeah, pour voilà. Tout le monde qui veut voir ces photos se retrouvent aussi sur ma chaîne, voilà. Mon compte Instagram. Voilà. Vous allez voir ces photos-là sur mon compte. Mais non, conseiller, Bolongo, là, moi, ce qui basse, bah, mon yamo, please. Pour la bolimwanza, mais parce que vous allez payer bien, pour la papa et la banane, nous avons preuve, moi, surtout, bisoir en États-Unis, moi, si vous simbatez. Normal, mais ça capone une thèse d'intérêt. Moi, sinon, je n'apprécie pas quand il faut dire que non, il faut le mot pour la papa bananaïo. Quand il a levé la main, dans la grande maman est bananaïo. Ah, ça. Quand il a levé la main, quand il a frappé, dans la grande maman est bananaïo. J'avais son fils dans mon ventre. Bon, tu écoutes un avis sur le mot après. Je pense que les gens qui me montrent ça, ils ont un bijou, ils ont un bijou, ils me montrent. Moi, de nature, je ne suis pas un bijou, je n'ai même pas des boucles d'oreilles. Je n'ai même pas mis des boucles d'oreilles, de nature. Normalement, j'aime pas trop des bijoux, ce n'est pas vraiment mon truc, au fait, ce n'est pas vraiment mon truc. Ma bijou, make-up, je n'ai jamais acheté le maquillage à Kinshasa. D'abord parce qu'à Kinshasa, il n'y a que des pirates. Il n'y a pas des originaux. Et là, si je descends aux États-Unis, je stocke mon maquillage. Je n'ai jamais, je dis bien jamais, acheté le maquillage. Je n'ai jamais acheté le maquillage. Donc, Naïbité, Yvette, pourquoi tu as fait. Bon, Naïbi. Yvette. Les gens pensent que Yvette, c'est ma belle-sœur. Oui, ou la petite sœur. Mamie, je parle. Mais sur ce toi, les gens pensent que Yvette, c'est la petite sœur à Mike. Yvette, là, c'est Meki, c'est la petite sœur de Mike et tout, ma belle sœur et tout. Je vous informe, Yvette et Mike ne sont pas frères et sœurs. Yvette et Mike, bah, dans des côtés. Yvette et Mike, bah, moi, c'est la mobali. Pour ceux qui ne savent pas, bah, Zaraka, ensemble, avant la Mike, tout balani, pendant qu'on était encore dans le mariage. Mike sortait avec Yvette. J'ai eu à découvrir ça aussi après. Oh my god. Comment ça? J'ai eu à découvrir ça après dans le mariage. Et moi, Yvette, on n'a jamais été proche. J'ai été toujours polie avec Yvette, mais t'as rien qu'à découvrir.
la réalité de la vraie relation de Mike et Yvette, j'ai pris mes distances. J'ai pris mes distances. Natigala jamais quoi agresser. Natigala jamais qu'on soit ni sérieux ce qu'il dit. Mais je répète, Yvette Kalombo et Mike Kalambay, bazalaka moi fina mobali, bazalaka bande de côté. Baebani ndenge nini. Baebana sur Kalembele Berlingwala. Ils étaient des voisins. Ils ont grandi ensemble. Mais je ne savais pas que tu pouvais coucher avec ton propre frère, que tu pouvais être engrossé même par ton propre frère. Et tu pouvais après avorter tout un enfant de ton propre frère. Yvette et Mike, hein, baban de côté. Yvette, quand elle a fait cette émission, elle a fait ça. Comme pour se venger, comme pour la koloba, comme pour la nini. Je laissais Yvette parler. Je laissais tout le monde parler. Parce que moi je n'invente rien. Non seulement, dans l'approche, dans l'abisso, et yébani na Kinshasa wana. Et yébani na Lingwala. Et yébani kuna après. Parce que nous, bandai que ça va, bado chuchoter. Comme Mike aussi. Lui-même, il savait pourquoi il voulait pas que je fréquente trop les gens à qui il n'est pas que ma gamazo ça là. Et puis les gens, ceux qui n'ont poussé ça, peut-être en a moutou. Il avait peur que moutou en a fongola à y faire un kepeñeta là. Boué. Alors, je disais quoi pour un bongo, il y a Mike et tout ça, télévision, tout ça, ce sont des futilités. Tu vois, une femme, on a au côté à côté, on a défense mingi-mingité. Une femme, au koyeba, la façon dont, moi je trouve que, peut-être ça est solité, peut-être pour la yonité, mais pour moi, au koyeba, peut-être l'état de la maison d'une femme, na kota la mobile naye, et na kota la surtout bananaye. Les enfants, hein, on n'arrive pas à trop cacher, na bana. Tu vois, Shaddai c'était un enfant, même Zion. Shaddai c'était un enfant parce qu'à l'époque c'était juste Shaddai. Shaddai c'était un enfant qui est toujours propre, toujours bien habillé. Tu sais, comment un Shaddai j'amène à l'auto, dans l'issou, ou bien à l'eau, comment roter dans l'issou. Focus nanga quand j'étais à Kinshasa parce que je ne travaillais pas à Kinshasa, j'étais ménagère. Tout ce que je faisais à Kinshasa, c'est je m'occupais de ma maison, je m'occupais de mon enfant. Comme mon mari était à Kinshasa, je m'occupais de mon mari. Je m'occupais de ma maison parce qu'il n'y a aucun qui que le monsieur son nom peigné la lame baratée à son bar à papier. Il y a $200-$300 chez le palais. Moussala n'a eu à moi un pain le palais. Oui, je mangeais chez le palais. Le palais c'était l'un de mes restaurants préférés, mais je ne mangeais pas non plus là-bas chaque jour. Pour vous informer aussi, le palais n'a eu qu'à découvrir le palais en 2018. N'a eu qu'à le palais pourquoi? Parce que vraiment, on a plein de sushi que ma grossesse réclamait. Et puis le sushi, il y a un poisson creuté. Il y a un poisson qui a lambé en beau et tout. Il n'y avait pas des ingrédients creux. Alors, plein wana chez le palais, c'était Sokozui, je crois, 12 sushis. Sokozui 16 sushis, c'était $32. Mm-hmm. Sokozui 8, c'était $17. $16, quelque chose comme ça. Alors, on a invité 200-300, ça vient d'où? Donc moi je m'occupais de ma maison. Moi je ne touchais presque pas à l'argent de Mike. Et je te parle maintenant de l'argent. Pourquoi? Potokotana nous na l'irresponsabilité. Quand j'ai eu à vraiment commencer à koboya avant Tokota, parce que je pense que la violence conjugale sera parmi mes blocs à souka ou na ko touché. C'est lourd. Je ne veux pas abîmer un peu l'humeur manga et tout. Quand je parle de l'irresponsabilité, tant aux États-Unis en 2017 et qu'on rentrait pour Kinshasa, je savais que Shaddai allait reprendre les études, il allait commencer les écoles en 2018, mais aussi, Naibi que Bilamba en général, il y avait une question qui m'avait été posée, est-ce que tu faisais vraiment le shopping à Kinshasa? Je ne faisais pas le shopping à Kinshasa. Pourquoi? Parce que les habits à Kinshasa par rapport aux States sont chers. Les habits à Kin sont chers. Alors, qu'est-ce que je faisais à chaque fois que je venais aux États-Unis? Je stockais. Que ce soit mes habits, que ce soit les habits des Shaddai, je stockais. Pour la Babandaï, pour la Nana, la Snapchat, Kala. Je montrais toujours Nana Babandaï pour stocker Bilamba, pourquoi j'achetais quoi, à quel prix, et tout ça, pour aider quand même maman, monsieur Sou, avec les garçons, parce que ma Bilamba est bien de bonne qualité, sans pour autant dépenser beaucoup d'argent. Alors, quand je suis rentrée à Kinshasa,
en 2018 avec Shaddai, j'avais stocké déjà les vêtements de Shaddai, mes habits et tout ça, tout ça, tout ça, tout ça. Shaddai a bandé classe en 2018. En septembre 2018, août 2018, parce que Mike était là quand Shaddai a repris, il était là pour la rentrée scolaire. Mm-hmm. Quand Shaddai devait commencer l'école, et là, bah, août 2018, boy, Mike était aux États-Unis. Il était aux États-Unis, j'ai dit, chérie, regarde. Shaddai Komoko là, Bilambo Nayaki Nango et Komi Gonzuluka et tout ça, il a besoin d'une nouvelle garde, de garde-robe, la garde-robe, d'un nouveau garde-robe, oui. D'un nouveau garde-robe pour ma classe. Je lui ai envoyé une liste et Bilamba des essentiels quoi. Mm-hmm. Je lui ai envoyé aussi ma boutique où il pouvait acheter comme il était aux États-Unis. Parce qu'aux États-Unis avec $300, tu peux renouveler le garde-robe de ton enfant. Mm-hmm. À Kin avec $300, peut-être une bonne paire de chaussures. Et deux ou trois articles. Hein. Ouais. Bon, ça m'a et les amis sont très chers à qui. Mm. Alors, on a dit, l'histoire, on ramène ça pour la rentrée scolaire. Il y a Shaddai. Mm. On a fait un qui, bah, les vitamines. Il y a Zemi et tout ça. Il m'avait ramené les vitamines. On a fait un qui, bah, blog, monsieur, sous un maquillage. Il avait ramené un blog, monsieur, sous un maquillage. Mais ce qui m'avait choqué, quand Mike est revenu à Kinshasa, il y a qu'une vitamine, c'était gentil, j'ai dit merci. Et tout, mais c'était aussi sa responsabilité. C'est pas un arbitre à beau côté. Pour moi, qui t'en a et la rambanaye, elle se rend compte, elle se rassure que sa maison est propre, elle se rassure que son mari est en bonne santé. Babette, elle a quand même à beau côté. C'est ta responsabilité. Et puis, en tant que mobile, me ramener les vitamines pour ma grossesse, c'était pas quelque chose à applaudir ou à acclamer. Oui, on dit merci, mais c'est pas un exploit. C'est ta responsabilité. Alors, à mes lignes à boulot, comment la fin qui m'a make-up, n'a pas boulot à m'kimke, n'a pas vitamine, mais il est rentré qui? Avec un père de Timberland, il y a Shaddai, qui était numéro 2, un numéro que Shaddai, jusqu'à aujourd'hui, Shaddai, ok, 5 ans, Shaddai porte toujours 13. Il y a bam. Non, combien t'en as? Un T. Donc, Timberland, en attendant, son maquillage, Shaddai avait 3 ans. Shaddai, ok, 5 ans. Mais Timberland, non, a tiré qu'il y a qui chasse à Tilelo et au coquetté. Et c'était la seule paire de chaussures qu'il a ramené pour Shaddai. Il a amené un polo, et puis il a amené deux pantalons, et deux chemises, et deux débardeurs. J'ai dit, donc, mais pour lui-même, il est revenu avec deux valises, des vêtements. J'ai dit, Mike, où tu es aux États-Unis? Pourquoi ne pas faire le shopping? Et à Shaddai, bonne classe. Tu es parti dans quel mall? Sur qu'il est qu'est-ce qui se passe? Après les Cambouana et la classe, je ne sais pas qu'est-ce qui s'était passé dans la tête de Mike après qu'au foot à Mineur Val, il y a Shaddai, il y a lycée Prince de Liège, et à part couper sa bisseau Mbongo jour par jour pour la nourriture, Mike ne me donnait même plus 100 francs. For anything. C'est en septembre que je fais dans Shaddai à Bali. Après Shaddai, ça fait Mike m'a dit. T'es nazo dingana na atterrir na point manquant. Ok. Sur l'irresponsabilité financière aussi. Ok. Donc je disais quoi? J'ai oublié la perte. Soit oui, mais ça ils appellent solo baki. À part Wana, bon, on appelle ça Noka Yaoulia, on appelle ça sous sa tasse sans fronter. Ouais, il ne me donnait plus l'argent. Mm-hmm. Et puis, en ce même septembre-là, c'est quand j'ai eu à vivre l'Ikanguya, violence conjugale. Mm-hmm. Je saute un peu, on va revenir, je vais donner les détails, mm-hmm. mais on saute un peu. Et c'est quand j'ai déjà l'irresponsabilité, en attendant, c'est comportement qui vont, ça m'avait déjà énervé, mais ce n'était pas complètement ça la raison pour laquelle je me suis décidée de partir. Mm-hmm. C'était pas là que j'ai décidé que cet homme est irresponsable, il n'est pas présent financièrement. Ça c'est quand même l'ingratitude. Parce que à Kenaki, c'était juste la première fois où on a fait un casse mais la Shaddai et Loco a sauté. Mais c'était pas pour cela que je suis partie, c'est pas pour cela que je l'appelle irresponsable. Parce qu'il est irresponsable. Mais il y a eu la situation là de la violence conjugale. Ma mère, ça s'est fait que ma mère est à Kin. À un moment, Anna, ma mère a eu à voir mon corps à Kin. Et je me rappelle, à Pessah, on a le moment que toute décision que tu voudras prendre, à un moment, on va te soutenir. Alors, j'avais pris la décision à ce moment-là que je devais rentrer aux États-Unis pour non seulement la naissance des Zion, mais pour me mettre un peu dans l'atmosphère, dans le cadre où je me sentais en sécurité.
parce que je ne me sentais plus en sécurité avec mec. Parce que comme mes affaires évoluer. C'est comme décembre. En décembre, on a, parce que Zion devait naître en janvier. Mm-hmm. Zion est né avec un retard de 3 semaines. Mm. Zion est né en février. Mais Zion devait naître le 16 janvier 2019. Zion est né le 5 février 2019. Alors, tu commune à décembre, Mike il était parti à Lubumbashi, donc il avait un voyage, naïe, et tout, moi je suis à Kinshasa avec Chabet. Tu commune décembre, bon, tu commune d'abord en novembre, non, je commence à appeler Mike. Alors, Mike, tu dis quoi pour mon voyage? Je dois aller aux États-Unis, je dois mettre en main, je dois accoucher. Patricio, c'est pas cool, pourquoi pas seulement accoucher à Kin et tout ça? Est-ce qu'à Kin il n'y a pas des médecins compétents et tout ça? Il y en a plein. Mon gynécologue, le médecin qui m'a traité pendant la grossesse de Shaddai, mm-hmm. comme la grossesse de Zion, docteur Mosibo, c'était un docteur excellent, exceptionnel, de Ngaliema Center, avec le docteur Adèle, que je salue, que j'aime bien. Il y a le docteur Claude Kabbalah, que je salue aussi. Donc, ce sont des médecins qui ont pris super, super, super bien soin de moi à Kinshasa mm-hmm. pendant mes deux grossesses. Alors, mais la raison pour laquelle j'insistais à ce que Zion aboute à mon États-Unis, c'était pourquoi moi j'ai un passeport américain. Je suis américaine. Shaddai, c'est un américain qui a aussi un passeport américain. Mike, fin 2018, il était déjà résident américain. Il avait la résidence américaine. Donc, Mike, Shaddai, Pignel, on pouvait tous voyager aux États-Unis sans pour autant demander de visa. Moi, na, ou abotami chez une américaine. Et ça n'a pas comme sous-sous ou whatever. Alors, on a un Mukanda. N'a si ma parent n'a pas, n'a si ma maman n'a pas. Mais ça, c'est un processus. C'est ça, quand on a mis comme ça que pour un peu éviter Babylon, quoi, là, je me suis dit que pas venir en Soba ou Tamaka aux États-Unis. Ça me permet aussi d'être avec ma mère. Une Okuba, ça ne veut pas dire que, ouais, juste moi, là, mon tout tu n'as plus de famille, tu n'as plus de parents et tout. C'est comme ça que je me suis dit que moi, je compte Kobota aux États-Unis à côté de ma maman. You know, je suis sa fille aînée, mes enfants, Baba Kokonaya Aliboso, elle a le droit de jouir d'être là pendant que Nazo Botaba m'a rappelé. Alors, tout comme il est en novembre, vous voyez, je vais venir à Mike, oh non, je vais m'habiller, je dois voyager aux États-Unis avec Shaddai. Comment vais-je dans mon encore? Comment vais-je dans mon encore? Comment vais-je même dans compte bancaire, il n'y avait plus l'argent qui entrait dans le compte, dans le et tout ça, tout ça. Même l'argent de YouTube. J'entre sur YouTube, pourquoi? Ça, c'est pour les mamans de Kazarema. Au van de la guinée à la maison, vous étiez là en train de raconter des choses que vous ne maîtrisez pas. Il faut avoir honte. Je vous dis ça clairement dans la caméra. Il faut avoir honte. Boyebi et l'eau comme roté. Bah, comme vous le balobaranda pour van d'akate, qu'on jugeté. Boyebi place ma étangaranda pour anate. Vous êtes mis là, les soi-disant femmes sages. Vous vendez la maison. Vous avez attaqué Ndekonabino Mouassi. Une femme qui peut être moine en Abinou. Une femme qui peut être même Kokoyaba Missou sous Abinou. Une femme qui est dans le mariage, qui a vécu des choses que peut-être vous aussi, vous avez même Missou sous Opebino, vous vivez à vous vendez dans la maison, pour vous le voir que non, elle a détourné les comptes, elle a détourné l'argent des amas. Faut avoir honte. C'est pas gentil, c'est pas bien. Mais oui, alors, quand j'ai constaté qu'il ne me donnait plus de l'argent, tous ces comptes-là, que ce soit YouTube, que ce soit iTunes, c'est moi qui gérais. Mike ne savait pas comment gérer YouTube. Il ne savait pas comment mettre une chanson sur iTunes. Ma communion sur la technologie. Bonjour, ma. Na émission na à marche de santé avant la qui est moko na mesa à l'obama c'est sur YouTube comment c'est moi qui gérais tout ce qui s'agissait de la musique, tout ce qui s'agissait de vidéos, tout ce qui s'agissait de YouTube, de iTunes et tout, c'est moi qui maîtrisais, c'est moi qui faisais. Et surtout que quand à Fongola qui chaîne YouTube na ya qui na na mukandate aux États-Unis au Fongola YouTube chaîne na combo na ma avec mon tax ID parce qu'il n'avait pas encore de carte sociale États-Unis, parce qu'il voulait être reconnu, il voulait que cette chaîne-là soit reconnue comme une chaîne américaine. Mm-hmm. Alors, tant d'amour que mec a été dans un bon côté, on a dit bon, on a un coup à bêta. YouTube, on a chaque 21, on a été dans moins 3000.
Maintenant, moi, 4000, je vais un bon banana. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Na et bandeli quand j'ai cette chaîne YouTube là au fond là en gros tout ça compte au bon rien qu'ils à la verser na compte na biso commun il y avait mon nom et le nom de Mike tant que le mbamité mais bimi Mike quand il était parti aux États-Unis na bat na et na maman sa na et à qui a fongoli si compte nous sous na combo na et kaka quand il est revenu il m'a dit non je veux que ce compte soit le compte on a dû recevoir un bon mot tout save moi bon ouais la YouTube voilà on va dépenser l'argent des prestations et tout ça mais bon à YouTube je veux qu'on mette ça de côté non moi c'est Nena Yuki j'ai mis ce compte là sur la chaîne YouTube et tout ça n'a dit qu'il y a encore un bon mot on est qui quand le Mbwamitema est sorti sur iTunes et tout ça on est qui bah avril et tout ça bah mars avril quand on a fait tout ça ah autant à novembre. En novembre, voilà, je me suis dit, mais en couvre bêta, je dois voyager, je dois aller aux États-Unis. Déjà, je suis à 8 mois. Mais tellement que je souffrais pendant cette grossesse-là, j'étais aussi très mince. Donc, Zémi à 8 mois, et bien nous, moi, l'année, c'est Zémi à 5-6 mois. Donc, je me disais que je peux encore camoufler. Je peux dire que Zémi à moi et Zémi à 6 mois, ils vont me laisser monter sur l'avion. Ma robot, il a raté, surtout que je pars aux États-Unis, les Américaines. Ma coquamara, la kishasate, et tout, la vie en signé. Je dois voyager parce que je dois aller mettre au monde aux États-Unis. Alors, qu'est-ce que je fais? Je changeais place versement à Mbongo et Salima. Au lieu et Salima, dans le compte na personnel, ou le compte na Moko, j'ai remis ça dans le compte na Bisomi Bale. Ce qui veut dire que même Mike avait accès à cet argent. Et maman de Tata, c'est un bon yoka. Boyoka. Dans le compte na Mbongo et Bandai Koko Tassika, même Mike avait accès à cet argent-là. Il avait accès à ce compte-là. Dans Mbongo et Eko versé le 21 novembre, j'ai acheté le billet pour les États-Unis pour la décembre pour moi et Shadai. Mais là, tu as un compte Kakabongo. Tu as un compte Kakabongo. Écoute, tu as un compte. Parce que tant on a le billet, 3 millions sont là. Parce que j'ai acheté le billet. Moi, je suis un compte pour la bagage et tout ça. Et tu as un compte. Mais je réfléchissais aussi sur la layette. Quand je vais arriver aux États-Unis, se compter déjà ma bébé, je sais pas si arrivé aux États-Unis il va m'envoyer l'argent de la layette. Donc un ticket qui raconte Bongo n'a changé mot de passe il y a YouTube pour qu'il ne soit pas capable de entrer sur YouTube et remettre le donné pour Bongo et à la version d'un compte nous souvent à Yemoko. Mais je répète, compte Bongo et Bandai Kokota et à la compte n'a plus commun, lui aussi avait accès à cet argent là. Il avait aussi sa carte bancaire qui était connectée à ce compte là. Mgolo pour voyager. J'ai dit tout à l'heure, Mike était à Lubumbashi. Le 21, pour YouTube, paye chaque 21. Chaque 21 de chaque mois, si tu as totalisé 100 dollars, YouTube va refouter. Le 21 novembre, et pourquoi il est à Lubumbashi? À Benyinga, on a payé qu'est-ce qui se passe avec le compte YouTube. J'attends le versement, je n'ai pas vu le versement. Ngapé, on a voir qu'il a quoi ça raté, mais je vois qu'il a quoi ça qui m'a cassé. Ah chérie, je sais pas d'où est parti l'argent. Ah tu ne vois comment tu ne sais pas où est parti l'argent. Moi il dit mais caca ouais. Elle n'a évité pas tes papas, n'a évité place Mbongo et Kei, n'a évité. Mais lui-même place à Zalaki, il pouvait voir contre Nini Mbongo et Ezokende. Parce que oui, je changeais le mot de passe de YouTube, mais j'avais pas changé le mot de passe de Gmail. De Gmail. Bah, toi, par exemple, ma compte YouTube, bah, que pour avoir un compte YouTube, il faut avoir un Gmail avec Google. Maintenant, dans Google, on a un bon sens qui peut vous connaître pour effacer le message. Et là, qui dit que autant a été versé ma compte telle. Mais il y a assez de gens qui pensent qu'ils voulaient seulement que je puisse avouer que non, on a ça qui est bon, go, boy, boy, boy. Rappé, tout ma casse est têtu comme tout. Mais il n'a pas ce moment où on a inquiété. Il s'est enflammé à Bando Ganga, à Bando Inamita, mais la bébé, Dieu merci qu'il est à Lubumbashi, parce que s'il était ici, il allait me tuer. Donc, bon, on a écouté, dans novembre, on a son papier, on a vu ce pont à l'étage, je me suis dit, quand on a un moment trésor avec lui, on a Kima qui a pour Kima qui chasse ça. Mais le jour que moi et Shadai, on devait voyager pour les États-Unis, c'est le jour. Moi, on n'avait pas eu un mouvement à ma qui se soutenait. Il voyageait, il bougeait comme il voulait. Il ne me disait pas que non, je quitte tel jour, je rentre tel jour. Donc, on rappelle à Moutouna, on n'avait pas dit qu'il avait encore du temps. À Lubumbashi, j'ai acheté le billet. Le billet, je crois, c'était pour le 9. Le 9 décembre. Donc, parce que je me rappelle, j'avais fait Kinshasa, Maroc, Paris, États-Unis.
Peu à bateau, balandana sur Instagram. Vous voyez bah, que j'étais à Paris en décembre 2018. Ma grand-mère, bah, vous pouvez vérifier ça. Au total, et le Gualoba qui n'a vidéo sur son Instagram, et le Gualoba qui n'a vidéo sur la vidéo YouTube, il n'avait pas que je ne suis pas en train de mentir. Alors, Tokata, Toto, continue, Kak. Boloba, pardon, pour la moto, ça aide à 2 heures, Bolinga, Loba, Kak. Tokata, toi, tu as deuxième partie, Toto, continue. Non, c'est la réponse. Peignez le temps, mais la normale. Ok. Yeah. Descends mon message de côté, continuer. Ok, tu vas continuer, mais tu sais pour Boébi qui est live au fin de l'an 2 heures déjà, il faut tu sais quand même peignel à mes carrières. C'est sur ma point fort, car à moi ma précision mouqué parce que je vous donne des points forts pour la vie. Bon, mon amour, d'informations, voilà, mais c'est ça les points forts. Il y a beaucoup de détails que je n'ai même pas mentionné parce que. C'est même pas une histoire que j'aimerais raconter. Ça, aussi, tu comprends pour coûte infidélité au tika lobo ya frère Mike te responsabilité ma maman ya ngoyo ba traiter de moyibi et tout et tout et des mamans ba sala fille voleuse et tout ça. Mais pour na awa wa to kende po les actualités là là frère Mike a été aux États-Unis awa c'est na fille ça kaka. Voyage soit un peu bref parce oui, je suis bref. Il y a pas de la moi mi tout na mi sous pour la bateau mi sous parce que la bougie faut se demander na kolonga na bino na kisha ça va beaucoup tani na maïté. Le jour que nous on voyage c'est le jour que Mike a atterri à Kin. Maintenant il fallait marquer que tant na na kiti ka na ba bagage chez moi j'ai na kiti de la chambre au salon avec mes bagages non tu as pas bagage na tout ma ka kuti na kati ya lopang. Je me suis dit ah on va plus voyager. Ah, je vais mourir, Shadai. Alors, moi, je suis papa, je suis maman, je suis à Koufi. Mais je ne sais pas si je l'ai raté. Je entre dans la parcelle. 2 minutes après, We Celebrate. Le frère de We Celebrate. Voilà. Bakoti, je vais faire des Bakenda, Fabrice, Bakoti, Nakati, Alopam. S'il se rappelle bien, même Paul, même Fabrice, je suis sous Bavanda Kiwana, je suis sous Bavanda Kiwana, parce qu'ils étaient chez moi à la maison. Dans Bavanda Kiwana, ça n'avait pas permis à Mike de réagir de la façon dont il voulait réagir. Okay. Alors, je crois que c'était qui? Je crois que c'est Eddie. Eddie qui m'a demandé, ah, madame, vous voyagez? Eh bien oui, je pars aux États-Unis, je vais aller accoucher. Il m'a dit, ah, maestro, il y a des bisotins. Mike répond, oh oui, la bosse à l'île. Il m'a dit, non, madame, fois qu'il est déjà, tu m'es déjà épousé. Pas content, tu savais que je voyageais. Il y a eu un voyage. Donc, dans mes, à Salibus, on est parti et c'est la dernière fois que j'ai taquin. Donc, ça, c'est déjà un point par rapport à l'irresponsabilité, par rapport à l'argent. Et pour aussi rectifier, ma combat YouTube, ma combat bon moment, tu as détourné l'argent aussi de YouTube. Pour un bateau, sur YouTube, je pense que je crois que j'ai des preuves de combien l'argent de YouTube versé et tout ça, en janvier, ils ont versé environ 1500, février, 1400, mars, 1500, avril, 1500. Tout le monde est 60, je ne vais pas te balancer l'image, mais 61 dollars. À partir de mai, rien n'entrait. Donc, de janvier, tin avril, je vivais de l'argent de YouTube. J'ai toutes les preuves. C'est les bisous. Il y en a là-bas. Au côté la biseau parce que je veux parce que il y a ces gens dans un circuit, il y a Mike qui disent comme quoi Mike parce que depuis que Zion est né, depuis que j'ai quitté le Congo en 2018 quand on a bien depuis que j'ai quitté le Congo en 2018 pour venir mettre au monde à Zion aux États-Unis, Mike ne m'a même pas envoyé 100 francs que ce soit ni pour Shadai que ce soit ni pour Zion. Mbongo, tu n'as pas vivre en gros, janvier, février, mars, avril, et d'aquí Mbongo, il y a YouTube, et ben d'aïko s'est versé. Ce que, à partir de mai, j'ai vu, na mai, que YouTube ne donnait plus de l'argent parce que les gens ne regardaient plus les vidéos de Mike comme tel. Ce que vous devez comprendre, et d'ailleurs, moi, parenthèse, na fongoli par rapport à YouTube. YouTube calcule les vues par rapport à adresse IP. Donc, tu ne peux pas regarder la même vidéo sur YouTube 100 fois. Sur ton téléphone et penser que aujourd'hui sont vus. Non.
comme cette adresse IP là a déjà été enregistrée, comme quoi tu as déjà regardé la vidéo, bah pour content on caca une fois. Parce que si c'était le cas, bah il y a qui va vendre là bas téléphone, là bas aussi caca ma vidéo n'a pas envie de tourner. YouTube quand même paye les gens et comme ça là, et la plateforme au bas tu as la vidéo offerte, donc ils sont intelligents dans leur façon de calculer les vues. Alors tellement que le même banité, mais ça a eu beaucoup plus succès à l'moment, et ça a eu beaucoup plus succès début 2018. À partir de 2019, moi, qui est venu avec au quota, mais pas comme en 2018, parce qu'en 2018, bon, voilà, sous en novembre, en décembre, il y a 3000, presque 4000, donc 3000 à Liboso, dans la salle qui n'a pas de billet, plus séjour à Bisso, à Paris, et tout, 4000, et il y a qui après. Je suis là qui a une classe pour la bateau, que non, classe est foutue à raté aux États-Unis, classe est au Félé. Je suis à l'école maternelle. Voilà. L'école maternelle aux États-Unis est payante. École maternelle aux États-Unis, je répète, école primaire dans la Félé. Mais comme je me suis pourquoi il n'est pas seulement resté à la maison. Chadaï avait commencé l'école maternelle à Kinshasa. Tant que tu es aux États-Unis, elle avait dit que tu es maman, je vais aller à l'école, je vais aller à l'école. Alors l'argent, c'est que cet argent-là principal a fait. Ça fait la layette, il y a décembre, hein, c'était bah, 4000 dollars, c'était quand même l'argent consistant. Et ça fait la layette, ça payait d'autres factures, il y a hôpital plutôt, il y a Zion, et ça payait les études des Shaddai. Et puis après ça, Mbongo et Kita qui a parti en janvier, Tiname, Mbongo et Banaï, beaucoup d'alissus, t'es. Et bah, au Balandanga sur mon compte Instagram, savent que quand Zion a totalisé 2 mois, c'est que moi j'aurais pris avec le travail. Voilà, je laissais Zion à la maison, je vais partir au travail pour prendre voilà. Mais si quoi loco Isa récent ah Isa que frère Mike a épousé mon abananae, bananae mon co banan moto qui nae a bolengé ne l'obata frère Mike Bankenda moto qui a bolengé nanga ah mon abanane, boboi collecte bananae, bah parents nous basse exigea puis bah mon bongo et puis frère Mike a ya qui a wa et yo ça la que deuxième tour a eu les sous-sondés à moni bananae a kanina bah mon photo a posté pen Instagram a tikeli bah mon bongo au bah cause dans la nango a pe sa Shaddai mbongo. Appelle ça vraiment Shaddai Mbongo, Bepenier. Oui, appelle ça Shaddai Mbongo. Voilà. Alors, il y a de cette violence, c'est que mon temps. Donc, la première fois que Mike est venu aux États-Unis, Mike m'a appelé comme quoi il voulait voir les enfants et tout. Naïm fait ok, il n'y a pas de problème, ce sont tes enfants, au moins au Bango, et ça c'était en juin, s'il vous plaît. Nous, on a quitté le Congo en décembre avec Shaddai. D'ailleurs, on est né en février. Mike est descendu aux États-Unis. Non, juin, c'était pas la première fois qu'il est descendu aux États-Unis. Juin, c'était la première fois qu'il est descendu aux États-Unis et qu'il m'a appelé pour me dire que je vais voir les enfants. Non, pas la beauté, mais comme j'étais en un juin, moi, j'étais encore chez mes parents. Je me suis dit que, ah ouais, mon papa a fait à découvrir ma cambo bébé. Ouais, il m'a quitté, que j'ai vécu dans le mariage. Et qu'aussi batté que Mike vienne à la maison, je sais même pas comment je vais. Donc, on a expliqué à papa que non, mec, il y a pas là-bas, des enfants qu'il a, on peut dire, abandonné, you know. Avant que je ne travaille, il y a c'est mes parents qui m'ont donné des coups de main. Malgré que je travaille, tu vois, maman, ma mère, elle rentre avec des sachets de vêtements pour Shaddai, des vêtements pour Zion, des choses comme ça, des vêtements pour ma personne. You know, pour un bon moment, on a et qu'il n'y a pas comme monsieur ou quoi. Et mes parents m'ont aidé à un niveau que je ne peux même pas commencer à décrire ou à expliquer ici. À l'époque, je restais encore chez mes parents. Dans le juin, là, je ne suis plus chez mes parents, je suis chez moi avec mes enfants. Donc, ça lui fait quand même grâce et tout. Les choses ont évolué bien en 2019. Alors, Mike est venu en juin. Je veux voir les enfants. Il n'y a pas de problème. Mais on ne pourra pas se rencontrer à la maison parce que si je suis chez mes parents, toi, tu es où? Oh, je suis chez le parrain. Pour des raisons personnelles, je ne me sentais pas non plus à l'aise de partir là-bas avec les enfants. Aussi, pour la raison, monsieur, ce que je ne préfère pas aborder ici dans la vidéo, ce n'est pas nécessaire. Mes parrains, ce sont des gens que je respecte beaucoup. Mais après l'incident de 2015, il y a eu un peu de... Cette maison-là, c'était une maison qui était pour moi une maison qui avait de très mauvais souvenirs pour moi parce que c'était par là que j'ai
rien à voir avec les parrains, c'était juste l'endroit, quoi. Alors, je me suis dit que je ne me trouve pas à l'aise d'aller là-bas. Comme je savais, je savais qu'il y avait un hôtel, Marriott, à Kosarate. Je suis sûre que bah ouais, à Dallas. Je vais rectifier ça. Mm-hmm. Pour façon, et Panzana est là que non. Mike à l'hôtel pour la barre, bah, c'est réconcilié. CongoDialogue.com